Et bonjour à tous et bienvenue pour cette partie 2 de l'épisode 11 sur Transport Suiveur. Alors bon, comment dire, le temps est passé. Je sais pas, j'ai dû passer plusieurs années, en 84 je crois j'avais commencé la coupure. Donc vous voyez, on a passé 7 ans et j'ai pu rembourser tout le crédit. Donc le prêt, il n'y en a plus, encore une fois, heureusement. Et j'ai actuellement environ 8 millions, et j'ai fait pas mal de modifications, notamment sur les trains de carburant. Donc celui-là, vous voyez, il est tout neuf. 10 wagons, une lock puissante, là, je sais plus quel nom elle a, mais c'est la plus puissante que j'avais quand j'ai commencé le changement. Mais uniquement pour les trains pour Modane, les trains pour Saint-Jean restent comme ils étaient avant. Les trains de voyageurs aussi ont tous changé. J'ai mis les trois pattes partout pour avoir vraiment plus de monde. Alors du coup, ils sont plus remplis, que j'ai pu écouler tout le flux de voyageurs. J'ai l'impression qu'ils sont encore rentables, mais du coup, je pense qu'on va opter pour la solution que les trains de Saint-Jean-Brignoles du coup continuent jusqu'à Briard. Comme ça, parce que la fréquence est trop élevée pour qu'ils soient chargés à chaque fois, donc. En agrandissant d'une gare, on touchera plus de monde et la fréquence sera du coup moins élevée sans acheter de train. Donc en gros, une fois qu'on a relié Briard, on n'a même pas besoin d'acheter des trains. Du coup, c'est plutôt cool. Le train de moi aussi a changé. J'ai mis la même lock que pour les trains d'essence. Donc c'est une lock. Mais non, voilà. Et 10 wagons, pareil. Je crois que c'est rentable. Je crois que j'ai réussi à le rentabiliser ce train. On va voir tout de suite. Ouais, c'est rentable. Il y a juste deux trains qui sont pas rentables, mais à 4000, c'est pas grave. Soyez pas rentable si c'est. Si y a juste vous deux à moins 4000, ça me va. Donc voilà. Donc voilà les modifications qui ont été apportées depuis le dernier épisode. Enfin, du coup, je sais pas quand l'épisode paraîtra. J'espère peut-être le samedi. Vous avez l'épisode sur le vendredi, peut-être le samedi d'après, peut-être dimanche, je sais pas. Mais bon. Depuis la dernière fois, voilà ce qui a changé. Et surtout, on a de l'argent, donc on va pouvoir faire la fin de cette ligne. Allez, c'est parti, hop, on était là. Ah oui, on va partir d'ici pour pouvoir. Ah oui, non, oui, ce que j'ai rajouté aussi, enfin, ce que j'ai enlevé, c'est à Modane. Je n'ai profité vu que j'avais de l'argent pour reboucher le trou, donc c'est quand même plus agréable. Voilà. Et donc, on peut commencer à mettre notre voie qui va coûter supra cher. Bon, on va faire comme ça. Là, j'ai pas le choix, on va passer en tranchée. Hein. On a un peu d'argent, on va en profiter. Voilà. Ah, c'était pas une bonne idée en fait de faire du plat là. On va recommencer. On va s'en descendre finalement. Ouais, la tranchée est obligatoire. Hein. On va faire jusque là. Là, et là comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, on va supprimer un peu comme ça. Est-ce qu'on peut supprimer encore un peu, et on va terraformer. Regardez comme ça coûte cher le terraforming. Encore là, ça va 30 000, ça va encore. Et donc là. Voilà, là comme ça. Bon, voilà, on a fait la ligne. Une petite voie d'évitement ici ne serait pas du luxe. Par contre, on pourra presque la faire en double voie finalement, vu tout l'argent qu'on a. On pourrait même personne deuxième plus du. Je vais y arriver, excusez-moi. Ouais, c'est minuit en fait, à l'heure où je tourne la vidéo, donc si je suis pas comme d'habitude, c'est normal. Mais si on peut percer le deuxième plus du tunnel maintenant aussi, ça peut être une bonne idée. Où on voit comment ça... Non, on va voir comment ça se passe d'abord et puis on fera après s'il faut percer ou pas. Mais une voie d'évitement là, ça me paraît tout ce qui est de plus nécessaire. Voilà. Hop, donc là, un signal là. Un signal là. Hop, un signal là. Enfin, deux signaux même ici. Hop, et du coup là, faut faire...
la petite aiguille là comme ça. Comment je fais? Donc là je mets un signal là. On va voir si ça régule tout seul là. On va voir. Hop. Et donc on prend... Ah, qu'est-ce qui est pas rentable? Qu'est-ce qui est devenu pas rentable? Ah, les lignes de bus. Faudrait que je m'en occupe et que je mette des bus. Ah oui, ici, il y a un truc que je vous ai pas fait voir aussi. J'ai des camions maintenant. Donc ça y est, on a plus les chevaux. On a enfin des camions, mais je voudrais voir juste après avoir fait ça. Hop, et hop, voilà. Et donc là, on augmente... Enfin, on diminue un peu la fréquence, donc ça se trouve, ça sera mieux pour les voyageurs, les trains sont plus rapides. Mais donc ici, j'ai des camions maintenant. Alors l'usine, elle produit plus assez. Ah, ça vient d'augmenter, ok. Donc, vous voyez, on atteint les 1200 de production, c'est quand même pas mal. Et vous voyez que le carburant commence à manquer. J'agrandis les trains et du coup, le carburant manque. Mais ça devrait le faire, ça produit. Oh, regarde, ça produit 1400 quand même, c'est beau. Donc voilà, on va voir s'il faut supprimer les trains. Mais regardez, je suis rentable, hein. Regardez, je gagne beaucoup d'argent. Du coup, c'est pas mal. Ensuite, que faire? Que faire? Est-ce qu'on prolongerait après ou pas? On va laisser comme ça pour l'instant. Ah oui, oui, non, on peut faire le train de la ferme. On peut faire ce train là. Comment on peut faire? Je réfléchis. Est-ce qu'on amène le train là? Ou est-ce qu'on fait un triangle? Un triangle avec la descente, c'est compliqué. Ou on relie finalement Draguignan à Vriard. Et les... Ouais, on y fait plus de ce côté-là. Mais du coup, c'est bête de faire passer le voyageur de Brignoles. Enfin, de faire le 1, ouais. Ah non, mais là aussi, je peux pas. Eh oui. Je réfléchis en fait comment amener mes... S'il faut que je parte de là et que j'aille là. Là. Faut que je parte de là, pardon, et que j'aille là, dans le sens inverse. Mais comment... Oui, c'est plus logique de passer de ce côté-là, de toute façon. C'est quand même plus court. Donc là, il faudrait que je fasse un triangle. Mais ouais, en fait, je trouve pas logique de faire amener le voyageur jusque-là si c'est pour faire une liaison plus courte, là, comme ça. Mais écoutez, pour l'instant, on va dire que c'est qu'une liaison de marchandises, donc on va laisser comme ça. Hop, on va... Est-ce qu'on peut faire un pont, là? Non, on pourra pas faire de pont. Voilà. On va supprimer ça. Voilà. Là comme ça. Là, on va faire comme ça. Aiguille à 60. Voilà. Là comme ça. Et là. Hop. Voilà. On reprend notre route en terre, celle-là, ouais, je pense. Hop. Toi, on te remet à côté. Voilà, pour regarder le style qu'on avait. Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et donc là, maintenant, on peut aller jusqu'à Ria.
contre, niveau rampe, est-ce que si... Ouais, si je passe là, je gagne un peu. Donc on va passer là. On va en profiter pour faire ça comme ça. Voilà. En tout cas, c'est plus agréable de faire un peu sans soucier de l'argent. Là, on voit que ça monte quand même beaucoup plus vite. Du coup, c'est pas mal. On peut faire un peu de terraforming. Ça m'avait manqué, ça. Un peu de terraforming. Route en terre. On peut faire des ponts en route en terre? Oui, on peut. Non, mais je trouve plus logique de quand même mettre une route normale. Non? Ouais, voilà, au moins sur le pont, ouais. Prendre un pont plus joli, je serais pas contre. Il n'y a pas en fait plus joli. C'est ça le plus joli. Ok, et ben on va faire comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Ça par contre c'est moche. Voilà. C'est vraiment dégueulasse des fois les ponts. Regardez, ça vole là à travers. Des fois c'est bizarre ce jeu, hein. Hop, et donc là, ligne droite sur du plat. Ou est-ce que... Ah, sauvegarde automatique. Si on monte, ça va faire un pont peut-être. Ça peut être sympa aussi de faire un pont de temps en temps. On a l'argent, faut profiter. Ouais, effectivement, ça fait un pont, mais il est logique ce pont. D'ailleurs, il est joli, donc on va le mettre. Donc sinon, on a celui-là. Ah non, celui-là est dégueulasse. Oh, on a ça sinon. Non, mais celui-là il rendait bien. Enfin, c'était lequel ? Ouais, celui-là il rendait bien. Même s'il est limité qu'à 60 km/h, on va faire avec ça. Et là, ouais, pareil, du coup, il me faudrait un pont. Donc là, un truc en ligne droite sur du plat. On peut faire un truc joli là. On peut vraiment faire un truc joli. Voilà, là comme ça. Et là comme ça. Ah ouais, c'est beau ça. Ah, c'est bien d'avoir de l'argent. C'est clairement bien. Ah, vous pouvez savoir à quoi ça, comment ça va me manquer de faire ça. Par contre, la courbe là, c'est compliqué, hein. Voilà. Bon, bah nickel. Nickel ce bout de ligne là. Donc là maintenant pour faire un EP, donc et ben ici il faut faire un truc. Nombre de voies, une. On va essayer de le mettre en terminus peut-être. Là comme ça, ça marcherait pas mal. Ça me plaît pas vraiment, on va dire. D'aller un peu plus loin chercher l'aiguille. Je sais pas quoi en penser de ce que je fais là. Non, ça me plaît pas. Je voulais chercher l'aiguille, mais ça fait, au même niveau en fait que le P, mais ça fait trop loin. Du coup, on va faire autrement, on va faire ça comme ça. Ouais, mais le problème c'est que ça monte là. Le problème c'est que ça monte. Et si je fais ça comme ça, c'est dégueulasse. Ouais, non, ça va encore.
En fait, ça fait une bosse, ouais. C'est pas la folie. C'est pas la folie. Hop, là, on met un signal là. On va voir comment on peut gérer cette zone-là. Le fait que ce soit sur une voie unique. Mais mettre un signal là, ça empêcherait... Ouais. On va voir comment ça se gère. Là, on va mettre un signal là et un signal là. On va voir comment on pourra fluidifier tout ça plus tard. Et donc là, bien sûr, un signal là. Non, un signal, j'ai dit, c'est ici. Bon, on va mettre les deux là, comme ça. Hop, donc là, on arriverait là. Ensuite, il faut aller là. Il faut aller là-haut. Comment faire? Comme ça. Ouais. Comme ça. Le problème, c'est que je vais faire une forte rampe pour y accéder, mais c'est pas l'idéal. À moins que si je mets une route qui part directement d'ici, qui colle au maximum l'usine pour gagner le moindre mètre de route, et qui descendrait en bas. Qui ferait quelque chose comme ça. Et que là, à cet endroit précis, je place une gare. Est-ce que ça dessert? Non. Il manque beaucoup ou pas? Ah, il manque beaucoup, ouais. C'est là le maximum, ok. Ouais, il manque clairement beaucoup. Elle est mal placée, Suzine. Elle est mal tournée, on va dire. Elle est clairement mal tournée. On a un peu de sous, hein. Terraform, on corrige tout ça. Donc ça ne va pas. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que là, ouais, après, faut descendre. Je peux pas faire des camions pour 2 mètres, quoi. C'est ridicule. Ouais, là, comme ça. Hein. On n'a pas vraiment le choix. On va terraformer un peu pour rendre plus joli, mais finalement on a l'argent, donc j'en profite, hein, mais voilà quoi. C'est pas la folie. Voilà, faire comme ça, c'est plus radical. Merde, mauvais terraforming. 356 000, ça coûte tellement cher. Voilà, comme ça. Ça fait plus naturel, on va dire. La voie là est plus naturelle que tout à l'heure. Hop, voilà. Et donc là, on peut mettre une gare. Une gare deux voies, on va mettre. Deux voies et comme ça. Ça me plaît pas. Non, on va faire un peu du plat là comme ça. Et là un petit coup de forte pente. Mais c'est pas grave, c'est sur la fin. Oh, courte importante. C'est quand même mieux de partir de ce côté là d'abord. Voilà. Ah, ça fait moche, hein.
Vous sentez le truc moche là. Voilà, c'est un peu mieux là. Et là, paf, paf. Ah mais du coup, faut que je mette un signal là. Ouais, comme ça, voilà. Mais j'hésite vraiment du coup à doubler la voix là qu'on vient de faire. Et celle-là aussi. Histoire d'avoir des trains un peu plus rapides. On a l'argent, je pense, c'est ce qu'on va faire. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, on en profite d'avoir l'argent. Donc là, du coup, toi, on peut supprimer. Puis ça va pas coûter non plus trop. En fait, doubler, ouais, c'est pas, ça coûte pas tellement cher. Par contre, le pont là. Oh, le pont là, faut que je le refasse. Ça coûte pas cher de doubler une voie parce que finalement, on paye déjà la moitié des trucs. Donc autant en profiter. Voilà, comme ça. Ah par contre, il fallait que je double de l'autre côté là apparemment. Non, mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. C'est automatique. On va faire comme ça. Comme ça. J'improvise là, hein, clairement. J'improvise clairement. Après, on verra ça ce qu'on en fait. Voilà, comme ça. Là, du coup, on tombe juste. Et là du coup l'aiguille qu'on a fait à l'EP. On va le supprimer. On va faire ça comme ça, ouais voilà. Ça comme ça. Et là, pareil, double voie jusque. Ah, pareil, là j'avais prévu de la mettre de l'autre côté, double voie. Mais c'est pas grave, on a une courbe là, donc ça va être transparent en fait. J'ai cassé une voie ferrée, donc on va se dépêcher de reconstruire comme ça. Voilà. Hop. Donc on va mettre les signaux. Il n'y a qu'un train, donc c'est pas gênant pour l'instant si ce ne sont pas bons. Donc là comme ça, là comme ça, on en met là, un là, un là. Faire des cantons assez grands. Hein. Il n'y a pas non plus des masses de trains. Voilà, un là, un là, un là, un là. Et donc là, vu qu'on n'a qu'une seule voie, il faut mettre quelque chose comme ça. Donc toi, t'es supprimé. Et toi, t'es supprimé. On va laisser celui qui est là-bas. Donc toi, tu serais un sens unique. Et toi, là... Attends, là aussi, sens unique, là. Sens unique, sens unique. Et là... Sens unique. Est-ce que ça marche ?
Ça a l'air, oui. Ça a l'air de bien marcher. Ouais, c'est bon, ça marche. Ok, parfait. Donc là, on a fait de quoi tout faire, finalement. Là, on n'a pas mis les signaux, là, par contre. On n'a pas mis les signaux, là. Donc là, comment ça se passe, là? Là, je passe là. Donc là, un truc là. On peut en mettre un là, on va pas le mettre. Voilà, un truc là. Donc toi, sens unique, toi, sens unique. Et après, là, on peut y laisser en voie unique, finalement. Parce qu'il n'y a pas grande distance. Quoique... On va essayer en voie unique, d'abord. On va essayer en voie unique. Juste mettre double voie là. Et après, pour mettre des trains de voyageurs aussi, là. Donc là, on va faire une nouvelle ligne. Ah, le bois qui est de nouveau pas rentable, hein. Ça, c'est à prévoir. Donc, première ligne, il me faut ça à ça. Donc, ferme. Draguignan. Gnan. Donc, la ferme Draguignan qui va arriver ici. Comment ça se passe ici? Ouais, c'est ce que je veux pas que ça se passe. Alors, on va mettre sens unique. Hein. On va mettre toi en sens unique. Et pourquoi il veut pas en fait? Pourquoi il veut pas? Il manque un sens unique quelque part. En fait, c'est dans ce sens-là qu'il veut pas. Ah, ce qui passe là, d'accord. Non, bon, on va faire ferme Draguignan. Et après, tu passes là. Voilà, et là, c'est bon. Yes. Voilà, donc après, il passe là. D'ailleurs. D'ailleurs, on va mettre un signal là. Et toi. Toi, tu vas passer là. Comme ça, il se gare et directement un train peut partir de là-bas et arriver là. Ouais. Ouais, c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux comme ça. Et ensuite, donc, le pain, on le prend. Donc, pareil, tu vas passer ici et on l'emmène. On l'emmène ici. Je dois faire une nouvelle voie bientôt, hein, là, clairement. Il me faut bientôt une nouvelle voie. Et donc, on l'emmène ici. Et là, l'itinéraire m'a l'air bien fait dès le départ, donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est bon, ok. Ok, ok. Donc, on va acheter les trains. On va prendre du... Il n'y a pas tant de rampes que ça, finalement. On va prendre quelque chose de plus rapide que puissant. Alors, j'ai vu que j'ai débloqué la 220 PLM. Ça coûte cher, os, quand même. Hein. Est-ce que mes wagons peuvent aller à 60? Ah, ils vont à 80 déjà, mes wagons. Plus que double prix quand même hein. Pour 10 km/h mais plus de puissance. Alors je sais pas si je tente le pari de mettre un train et de le mettre au max tout de suite. Allez, on va tenter ça. Ah, je suis fou. Ah, je suis fou. Alors on va prendre ça. Donc ça prend le bétail. 5-6 wagons on va mettre. Et 7 wagons. Non. Ouais, 6 wagons. Et wagon à céréales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc toi, tu partiras sur ferme. Voilà, tu vas faire la ferme. Et on va reprendre ça avec nos wagons. De bien tout simplement. Produit élémentaire, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc tu vas partir faire la ligne 1 que je n'ai pas renommée. Donc ligne 1, j'ai plus de sous. Ça a intérêt à marcher. Hein.
produits alimentaires. Alimentaire. Bon, j'écris. Ah, c'est fatigué le soir. Hein. Donc voilà. Là, on a tout qui est bon. Avec des belles locomotives françaises en plus. Voilà, des locaux PLM avec le logo SNCF, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, le pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont de pétrole? Ah, on transporte pas assez. Bah, c'est bon signe. C'est bon signe. Et eux? Ouais, eux, ils produisent beaucoup. Ouais. Oh, regardez-moi tout le pétrole qu'on a en attente. C'est impressionnant. Et les trains de voyageurs, du coup, comment ils se portent? Non, pas toi. Ouais, toi. 51, ouais, ouais, ils sont pas forcément pris plus de charges, hein, maintenant que l'itinéraire est plus grand. Ah, Brignoles, par contre, ça fait une belle ville, hein. Avec la gare qui passe là en plein milieu, ça fait un beau truc. Là, à voir, je pense que quand ça va évoluer, ça va être joli. Faudra pas regarder les villages comme ça par contre, parce que là c'est moche. Mais si on regarde le village comme ça, ça pourrait être joli. Là, toi t'évolues normal, on va dire. Saint-Jean, comment ça évolue? Très bien. Y'a rien à dire sur Saint-Jean. Et Modane, voilà, très bien aussi. Alors du coup, ah oui, je peux voir. Vous pouvez voir les camions ou pas? Ouais, donc on a les camions. Oui, je devais voir, je crois, hein, je sais plus. Ouais, j'ai la mémoire courte. Et aussi un truc que j'ai fait. Qu'est-ce que j'avais fait? Je m'en souviens plus déjà. J'avais... Ah oui, j'avais refait un peu la ville là. Et oui, j'ai vu la gare électrique. J'ai remis une gare normale. Voilà, vu que j'avais les sous, je n'ai profité. Maintenant, il faut voir si le train de... Attends, c'est toi? Ah oui, non, mais fais demi-tour, ça sert à rien d'aller jusque là-bas. Ça sert à rien, de toute façon, faut qu'ils prennent d'abord. Bah voilà, nickel, c'est en attente. 19-19. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Bon bah écoutez, on va cesser là-dessus pour cet épisode. Moi je dis à la prochaine, et c'est tout le monde.